Si j'oubliais
Si j'oubliais ton grand amour, ramène-moi sur tes bras. Si j'oubliais, Lave-nous pas ton sang, Seigneur, fais couler ton sang sur nos péchés, lave-nous pas ton sang, Seigneur, lave-nous pas ton sang, Seigneur,
Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Saint-Esprit. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci pour la grâce, Seigneur Jésus, que tu nous apportes, Seigneur. Oh Seigneur. Je vais te dire merci, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais te louer. Merci, Seigneur Jésus. Je te loue, Seigneur, de ce que Jésus crée. Tu suis merveilleux, Seigneur. Je vais te dire merci, Seigneur Jésus. En ce moment, Seigneur. Merci, merci, merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, je vais seulement te dire merci. Merci Seigneur, je vais seulement te dire merci.
Merci Seigneur, je vais seulement te dire merci. Merci Seigneur, je vais seulement te dire merci. Merci Seigneur, pour ton amour dans ma vie, Seigneur. Merci Seigneur, pour ton amour dans notre vie, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes chaque jour. Merci Seigneur, je vais seulement te dire merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Je viens encore devant toi. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, visite-moi selon qu'il est écrit, selon le livre d'Ésaïe 60, chapitre 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, Seigneur Jésus. Descends ta lumière dans ma vie, Seigneur. Descends ta lumière dans ma vie, Seigneur. Descends ta lumière dans ma famille, Seigneur. Descends ta lumière dans mes enfants, Seigneur. Descends ta lumière dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs. Descends ta lumière dans ton église. Descends ta lumière en ce moment même. Que ta lumière descende. 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 Seigneur Jésus, je donne maintenant que les ténèbres disparaissent. Que les ténèbres soient de ce lieu. Que les ténèbres soient de ce lieu. Que les ténèbres soient de ce lieu. Ténèbres. Sors de ce lieu, ténèbres, sors de ce lieu, 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 commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, que la lumière de l'Éternel descend, que la lumière de l'Éternel descend, que la lumière de l'Éternel descend, commence à prier, commence à prier, Seigneur Jésus, descends ta lumière. Descends ta lumière maintenant. Seigneur Jésus, descends ta lumière. Descends ta lumière, descends ta lumière. Seigneur Jésus, que ta lumière descend. Que ta lumière descend. Que ta lumière descend. Que ta lumière descend, Seigneur Jésus. Maintenant, maintenant, maintenant. Seigneur Jésus, maintenant. Descends ta lumière en ce lieu. Descends ta lumière dans ton église. Seigneur Jésus, descends maintenant. Descends maintenant. Descends. Descends, descends, descends. Descends ta lumière. Car Dieu nous a dit, là où il y a deux, trois qui sont assemblés à ton nom, que tu es là, que tu es présent. Seigneur, maintenant, descends par ton feu. Descends par ton feu. Descends par ton feu. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je me couvre, je me
secours du sang de Jésus-Christ. Du sang de Jésus-Christ. Je me réfugie. Je me réfugie. Dans le sang de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Et une forteresse. Une forteresse. Un nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Sur ma vie. Sur ma vie. Sur ma famille. Sur ma famille. Sur mes enfants. Sur mes enfants. Sur mon foyer. Sur mon foyer. Je plaide le sang de Jésus. 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 Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule maintenant dans ma lignée familiale. Que le sang de Jésus Christ. Que le sang de Jésus Christ coule. Coule maintenant. Coule. Coule maintenant. Coule. Coule maintenant. Coule. Coule maintenant. 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 Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute malédiction. Familiale. Qui parle contre ma famille. À cause. Les adorations. Des faux dieux. Seigneur Jésus. Toute malédiction. Qui parle. Contre moi. Contre mes enfants. Contre ma génération. À cause des faux dieux. À cause des promesses. À cause des promesses, à cause des serments, aujourd'hui même, Seigneur Jésus, je descends maintenant, je puise maintenant toute malédiction familiale qui pèche ma vie, qui pèche ma famille, avec la puissance du sang de Jésus-Christ, j'anéantis toutes ces conséquences dans ma vie, dans la vie de ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je brise maintenant toute malédiction provenant de ma lignée familiale, paternelle, maternelle, depuis 10 générations, qui parle contre ma vie à cause des adorations des faux dieux. Seigneur Jésus, oh Dieu, ne sens pas ton feu. Descends pas ton feu. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Tout l'enfant qui règne dans ma famille soit anéanti. L'enfant qui est comme montagne. Ta parole déclare. Toute montagne sera aplanie. Je donne maintenant. Toute montagne dans ma famille soit planée, soit planée, soit planée, soit planée, soit planée, soit planée, soit planée. Tout l'enfant qui est comme montagne dans ma famille, aujourd'hui même, par le nom de Jésus-Christ, je te renverse maintenant, je te renverse maintenant, je te renverse maintenant, je te renverse maintenant. Je te renverse, je te renverse, je te renverse, je te renverse. Pendant que je parle les mains, je te renverse maintenant, je te renverse maintenant, je te renverse par le feu maintenant, je te renverse maintenant, je te renverse. Aujourd'hui, tu vas sortir de ma famille, tu vas libérer maintenant, le feu descend, le feu descend, le feu descend, maintenant, 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 le feu de ma famille maintenant, je viens dire maintenant, je le renverse par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, maintenant, maintenant. Il commence à tomber, 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 il tombe, 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 il coulé sur la croix de Golgotha, me purifie maintenant. Il purifie mon sang. Il purifie mon âme. Il purifie tout mon être. De toute forme de malédiction héréditaire. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Me nettoie maintenant. Me nettoie maintenant. Me nettoie maintenant. Seigneur Jésus.
tout enfantement, tout enfantement, tout châtilège, tout enchantement qui était lancé dans ma famille à cause de la malédiction. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, qu'il soit brisé maintenant, 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 au nom de. Tu vas dire Seigneur Jésus. Pendant que tu pries ici, le Seigneur peut te restaurer toi, ou le Seigneur a déjà fait pour toi. Mais ta famille est encore dans la malédiction. Voilà pourquoi il faut prier pour ta famille. Parce que ta famille encore, ils sont encore dans les idolâtries. Alléluia. Amen. Or, pendant qu'on adore des faux dieux, c'est comme si tu étais en train de renouveler encore les contrats. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi à chaque moment, ils ont la légalité, l'autorité, la serre de lancer des enfantements. Donc la prière que tu es en train de faire ici, ce n'est pas pour toi seulement, pour ta famille. Parce qu'il faut que ta famille soit sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ta famille soit sauvée. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare par l'autorité que tu m'as donné. Seigneur, tu m'as dit que je suis ton enfant. Cet esprit de Dieu. Regarde ma famille. Ils sont dans l'idolâtrie. Regarde ma famille. Ils sont dans les ténèbres. Seigneur Jésus. Ma famille doit sortir. Ma famille doit sortir. Du ténèbre. Du ténèbre. Du ténèbre. Seigneur Jésus. Localise ma famille. Par ton sang. 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 Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Par le sang de Jésus. Je suis divorcé. Je suis divorcé. Je me divorce. Je me divorce. Je me divorce. Je me divorce. De tout esprit. De tout esprit. De mari de nuit. De mari de nuit. De femme de nuit. De femme de nuit. De femme de nuit. De femme de nuit. Je brise maintenant. Je me sépare. Je me sépare. Des liens. Des liens. De l'occultisme. De l'occultisme. Des esprits. Des esprits. Des fétiches. Des fétiches. Des sceaux. Des sceaux. Des choses, des points sacrés, je me sépare, je saute là, des masques sacrés, je saute là, je saute là, je saute là, toutes les liens, des montagnes sacrées, des forêts sacrées, mon homme saute là, mon homme saute là, mon homme saute là, mon homme saute là, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je brise maintenant tout pacte, toute alliance qui pèse sur ma vie. Aujourd'hui même, à cause des adorations de mes pères, de mes mères, aujourd'hui même, qui parle contre ma vie. Aujourd'hui même, je brise maintenant, je brise maintenant toutes ces alliances. Je brise maintenant, je brise maintenant, je brise maintenant, je brise. Maintenant, je renonce à toutes tes ruses. Je renonce à toutes tes ruses, à tes propositions. Je renonce à tes projets dans ma vie. Au nom de Jésus, maintenant même, je déracine. Je déracine toutes les semences. Toutes les semences qui étaient injectées, qui étaient envoyées dans ma famille, qui parlent contre nous. Aujourd'hui, maman, selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, tout ce que Jésus-Christ n'a pas planté sera déraciné. Aujourd'hui, maman, je saisis maintenant la hache du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tout arbre maléfique qui est planté au milieu de ma famille, de la cour familiale. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Je descends à la puissance du Saint-Esprit. Je saisis maintenant. Je les
que tout esprit qui me fatigue, tout esprit qui veut me faire retourner dans mes vomis, je déclare au nom de Jésus. Tu sors de moi maintenant. 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 Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Ce que tu as donné pour Camille, il doit sortir. Parce que le Seigneur Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tous les dragons. Le Seigneur t'a donné cette puissance-là. Voilà pourquoi lorsque tu déclares, le Seigneur se manifeste puissamment. Au nom de Jésus, le monde des ténèbres tombe à l'instant. Au nom de Jésus. Parce que tu es un enfant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Oh, parle avec autorité. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Toi, esprit méchant. Tu m'attends maintenant. Tu m'attends maintenant. Car j'ai l'autorité. Si toi, j'entends maintenant. Toi qui veux me faire retourner. Dans mes promis. Aujourd'hui, mes rois. Aujourd'hui, mes rois. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Je te frappe maintenant. Je te frappe maintenant. D'aveuglement. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Pendant que tu parles, les mains commencent à sortir. Parce que c'est le feu qui descend. Pendant que tu parles, les mains, le feu descend. Il commence à sortir de toi. Au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, libère tout le monde. Libère tout le monde. Seigneur Jésus, tout esprit, c'est tout. Cachez ces yeux. Tu veux nous faire retourner dans nos familles. Maintenant, il commence à prendre feu. Tu commences 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 à prendre feu. Seigneur, descends ton feu. Libère, libère, libère ton feu. Relâche, relâche. Relâche ton feu. Relâche ton feu. Libère, libère. Libère ton feu. Libère ton feu. Libère ton feu. Libère ton feu. Libère, libère. Libère ton feu. Viens, descends, descends. Descends pas ton feu. Relâche, relâche. Libère, libère. Libère, libère. Libère ton feu maintenant. Viens, descends maintenant. Descends pas ton feu, 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 relâche, relâche, Jésus. Le Seigneur est là. Au nom de Jésus.
Le Seigneur Jésus-Christ est là, il est présent. Sois disposé. Seigneur, maintenant. Visite maintenant ton peuple, Seigneur Jésus. Visite ton peuple maintenant. Localise maintenant, localise par ton feu. Localise maintenant par ton feu. Libère ton feu maintenant. Relâche ton feu. Libère ton feu au nom de Jésus. Libère ton feu maintenant. Descends ton feu, Seigneur Jésus qui n'a cet homme. Seigneur Jésus qui n'a cet homme. La servitude, Seigneur Jésus. Que tes enfants étaient, Seigneur Jésus. Aujourd'hui est terminé. Au nom de Jésus qui n'a cet homme. Seigneur Jésus, maintenant. Au nom de Jésus, nous sortons de la servitude. Nous sortons maintenant. Nous sortons maintenant. Chacun est venu ici. Le Seigneur est là. Pour sa situation. Voilà pourquoi ne regarde que ne regarde que. Le Seigneur est personne. Seigneur Jésus. Dispose-toi. Descends ton feu. Toi, le bon appel. Toi, le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Là où ils ont déposé. Là où j'ai déposé. Mon nom. Mon nom. Là où ils ont déposé. Là où j'ai déposé. Ma photo. Mon photo. Tout programme. Tout programme. Qui était programmé. Tout programme. Contre ma vie. Contre ma vie. Tout programme. Tout programme. Qui était programmé. Contre ma famille. Contre ma famille. Tout programme de mort. Tout programme de mort. Tout programme de mort. Qui était programmé. Contre moi. Aujourd'hui même, je déclare par la puissance du Saint-Esprit, dans l'esprit de mort, que te proclamé contre ma vie. Aujourd'hui même, sors de moi, sors de ma famille, sors de ma famille, sors maintenant, pendant que je parle les mains, l'esprit de moi me lâche. Pendant que je parle les mains, l'esprit de moi lâche ma famille maintenant. Au nom de Jésus. Pendant que je parle les mains, l'esprit de moi maintenant. Me lâche maintenant. Libérez. Par le feu. Maintenant. Au nom de Jésus. Je donne maintenant. Esprit de ma sang. Esprit de ma sang. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit de mort qui était envoyé. Nous prions maintenant. Au nom de Jésus. Toi, le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare au nom de 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 Jésus. Prie pour ta soeur, pour ton frère, qui était emprisonné dans la cage, là où ils ont déposé ta famille. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, par toi. Parce que tu représentes ta famille. Le Seigneur Jésus-Christ dit, tu es comme Joseph de ta famille. Voilà pourquoi lorsque tu as déclaré, le Seigneur Jésus-Christ va se mouvoir partout dans ta famille. Il va commencer à localiser. Il va commencer à visiter ta lignée familiale. La lignée des sangs. Le Seigneur va commencer à visiter. Voilà pourquoi ce que tu vas déclarer. Déclarer avec autorité. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole. Il dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Aujourd'hui, tu vas déplacer toute l'hôtel de ta famille. L'hôtel là où ils ont déposé mon nom. L'hôtel là où ils ont déposé ta famille. L'hôtel là où ils ont déposé tes frères et tes soeurs. Aujourd'hui, par ta puissance que le Seigneur Jésus t'a donné, tu vas déplacer cet hôtel au nom de Jésus. Tu vas le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Là où mon frère, là où ma soeur, était emprisonné dans la cage. De mon La cage maléfique, dans laquelle ma famille était emprisonnée. Aujourd'hui même, je prise la cage. Pendant que je prends les mains, la cage maintenant.
doit sortir. Ma sœur doit sortir. Ma famille doit sortir. De la cage maléfique. Mon sang maintenant. Mon mari doit sortir. Ma femme doit sortir. Mes enfants doivent sortir. Au nom de Jésus. Sortez. 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 Par le feu, par le feu. Maintenant, maintenant, ta famille sort. Ta famille sort de la cage. Ta famille sort. Tes deux sont de la cage. Tes soeurs sont de la cage. Maintenant, maintenant, par le feu, par le feu. Maintenant, il te libère. Il te libère, il te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tu sors. Tu sors, ta famille sort. Comme tu sors. Au nom de Jésus. L'autel prend feu. L'autel où tu vas ton nom. L'autel où tu vas prendre ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le feu, par le feu. Par le feu, par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Celui qui a appelé mon nom. 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 Sur l'autel maléfique. Sur l'autel maléfique. Celui qui a appelé mon nom. Celui qui a appelé mon nom. Celui qui s'est arrêté. Celui qui s'est arrêté. Et qui a appelé mon nom. Qui a appelé mon nom. Qui a appelé le nom de mes frères. Qui a appelé le nom de mes frères. Qui a appelé le nom de mes soeurs. Qui a appelé le nom de mes soeurs. Qui a appelé le nom de ma famille. Qui a appelé le nom de ma famille. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui même. Aujourd'hui. Qui se frappe. 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 Au nom de Jésus. Vous savez que nous ne luttons pas contre la chair. C'est l'esprit que nous combattons. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il faut que le Saint Jésus les libère aussi. Amen. Pour qu'eux aussi se préparent pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas faire cette dernière prière. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Car tu m'as dit dans ta parole. Car tu m'as dit dans ta parole. Selon le livre d'Esaïe. Selon le livre d'Esaïe. Chapitre 61. Chapitre 61. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Est sur moi. Est sur moi. Car l'Éternel. Car l'Éternel. M'a oint. M'a oint. Pour porter. Pour porter. De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Aux malheureux. Aux malheureux. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir. Pour guérir. Pour guérir. Pour guérir. Pour guérir. Pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer. Pour proclamer. Aux captifs. Les captifs. La liberté. La liberté. Aux prisonniers. Aux prisonniers. La délivrance. La délivrance. Je donne maintenant. Je donne maintenant. Que la délivrance. Que la délivrance. Descends dans ma famille. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour publier. Pour publier. Une année de grâce. Une année de grâce. De l'éternel. Un jour de vengeance, de vengeance de notre Dieu, de notre Dieu. Je donne maintenant, que la vengeance de la vengeance de l'éternel descend maintenant dans les camps de l'ennemi au nom de Jésus, pour accorder aux affligés de Sion. De Sion, pour leur donner, un diadème, au lieu de la cendre, une huile de joie, au lieu de taille, un vêtement, de louange, au lieu d'un esprit abattu, Seigneur Jésus, fais-moi porter, un vêtement de louange, un vêtement de louange, Dans ma vie. Seigneur Jésus, Jésus. Localise-le par ton feu. Localise-le par ton feu. Tout esprit qui étouffe mes dents. Aujourd'hui, tu prends feu. 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 Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Lave-moi par ton sang. Que ton sang me lave. Que ton sang me lave. Sois disposé. Que ton sang me lave. Que ton sang me lave. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Commence à me nettoyer. Le sang de Jésus. Commence à me nettoyer. Seigneur, nettoie ton peuple. Nettoie ton peuple. Par ton sang, par ton sang. Commence à nettoyer ton peuple, Saint Jésus. Le sang de Jésus. Le sang, le sang. Le sang de Jésus. Le sang. Le sang de Jésus, ton peuple. Le sang de Jésus. Le sang, le sang de Jésus. Maintenant, nettoie ton peuple. Nettoie, nettoie, nettoie. Nettoie, nettoie, nettoie. Seigneur, maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, Saint Jésus. Que ton sang maintenant. Commence à nettoyer. Que ton sang maintenant. Commence à nettoyer ton peuple. Le sang de Jésus. 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 Il te lave, il te nettoie. Il te lave, il te nettoie. Au nom de Jésus. Il nettoie ta pensée. Il nettoie ta pensée. Il nettoie, il nettoie. Il nettoie, il nettoie. Il nettoie, il nettoie. Il nettoie maintenant ta pensée. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Sois disposé au nom de Jésus. Cet esprit de Dieu, l'esprit de vérité. Visite ton peuple, Seigneur. Seigneur Jésus, visite ton peuple maintenant. Comble vite par ton feu du Saint-Esprit. 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 Seigneur, remplis ton peuple de ton feu du Saint-Esprit. Remplis ton peuple de ton feu du Saint-Esprit. Remplis ton peuple, Seigneur. Remplis ton peuple, Seigneur Jésus. Remplis ton peuple, Seigneur Jésus. La restauration totale. La restauration totale. La restauration totale. Descends maintenant. Depuis le troisième ciel. Maintenant même. Au nom de Jésus. Seigneur, descends maintenant. Descends maintenant. Descends, descends, descends par ton feu. Descends maintenant. Le feu du Saint-Esprit. Commence à réveiller, Seigneur Jésus. Commence à réveiller ton peuple. Commence à réveiller, Seigneur Jésus. Que toutes les dons se réveillent maintenant. Que tous les dons se réveillent maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant même au nom de Jésus. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, maintenant. Tout esprit qui empêche que les dons se manifestent. Seigneur, maintenant, qu'il commence à être frappé maintenant. Qui commence à être brisé maintenant au nom de Dieu. Qui commence à être brisé maintenant au nom de Dieu. Qui commence à être brisé maintenant au nom de Dieu. Tout esprit qui empêche que tes dons se manifestent. Aujourd'hui même, le Seigneur descend maintenant. Il les menace maintenant. Il les menace maintenant. Il les menace maintenant. Il commence à te libérer. Il commence à te libérer. Il commence à sortir de toi. 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 Il sort de toi par les baillements, par le vomi. Maintenant, il te libère. Il part maintenant dans les abîmes. Il te lâche maintenant. Il te lâche maintenant. Il te lâche maintenant. Par le feu, par le feu. Il commence à sortir. Il commence à sortir de toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout esprit qui étouffe de toi. Maintenant, il commence à prendre feu. Sortez, sortez, sortez. Par le feu, par le feu. Libérez, libérez. Feu, feu, feu. Sortez, sortez. Lâchez plus maintenant. Sortez, sortez. Seigneur Jésus qui n'a cité. Descends ton feu. Libère ton feu maintenant, Seigneur Jésus. Libère maintenant, libère. Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Il faut que les temps maintenant se réveillent. Les temps se réveillent. Les temps, les temps. Les temps se réveillent. Les temps se réveillent. Au nom de Jésus. Maintenant, maintenant. Il faut que les temps se réveillent. Maintenant, maintenant, maintenant. Relâche ton feu. Libère, libère. Libère ton feu. Seigneur, maintenant. Ressuscite maintenant les temps. Ressuscite maintenant, Seigneur. Les temps qui te permettent maintenant se réveiller. Les temps maintenant qui tombent se réveillent. Les temps maintenant se réveillent. Les temps se réveillent. Les temps se réveillent. Les temps de vision. 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 Le Seigneur te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Il active maintenant les temps de vision. Relâche ces temps. Il active maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur active les temps de vision. Il active maintenant. Il active maintenant. Il active maintenant. Le Seigneur te remplit puissamment. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Par son feu. Il te remplit maintenant. Le Seigneur te remplit puissamment. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit maintenant. Seigneur, maintenant localise ton peuple. Localise ton peuple. Localise, localise. Seigneur, localise, localise. Localise ton peuple. C'est ta fille de Dieu maintenant, maintenant, maintenant. Oh Dieu, maintenant que les temps se réveillent. Maintenant, au nom de Jésus, maintenant, maintenant, le Seigneur rempli, il te remplit, il te remplit, il te remplit par son feu. Maintenant, maintenant, la terre déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde, le Dieu. Maintenant, maintenant, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Le temps se réveille, il se réveille, il se réveille, il se réveille. Seigneur, remplis-le. Relâche. Seigneur, maintenant, réveille. Réveille les temps, réveille les temps. Le Seigneur vous a donné les temps. Le Seigneur vous a donné les temps. Vous les avez. Vous les avez, Seigneur. Seigneur, maintenant, maintenant, maintenant. Qu'un sang relâché. Maintenant, vous les maintenant. Avez, Seigneur. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Seigneur, voilà ta sévère. Ce sang relâché maintenant. Voilà ta sévère, tu la connais. Tu la connais, tu la connais maintenant. Tu as les temps. Maintenant, maintenant. Maintenant que ça te va. Que ça
arrivé. C'est arrivé maintenant. C'est arrivé maintenant. Tu commences à voir. Tu commences à voir. Le Seigneur ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux maintenant. Maintenant, les visions, ça descend. Le Seigneur descend maintenant par son feu. Maintenant, maintenant, il te remplit. Maintenant, mais c'est un restaure. Il te restaure. Il te restaure. C'est ton toi se réveiller. C'est ton soir, c'est toi se réveiller. Au nom de Jésus, Seigneur, maintenant, les temps de fusion maintenant. Seigneur, sois toi la précédente. Les temps de fusion. Les temps de fusion. Les temps de fusion. Les temps de fusion. Maintenant, maintenant, maintenant. Pas ton feu, pas ton feu. Maintenant, maintenant. Seigneur, maintenant, maintenant. Les temps de fusion maintenant. Les temps de prophétie. Les temps de prophétie. Les temps de prophétie. Les temps de prophétie. Les temps de prophétie maintenant. Ça se réveille. Maintenant, tu as rempli ça. Sabotage,
davantage, 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 encore, Tu l'as rempli maintenant.
rempli, tu l'as rempli, tu l'as rempli maintenant, tu l'as rempli, tu l'as rempli, tu l'as rempli, tu l'as rempli maintenant. Seigneur Jésus de Nazareth, aujourd'hui c'est le jour de la restauration. Seigneur Jésus, aujourd'hui c'est le jour de la restauration. Seigneur, restaure maintenant ta servante. Restaure. Parle maintenant au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, délie les langues. Délie maintenant. Seigneur Jésus, toutes tes servantes qui sont ici. Seigneur, que les langues soient déliées. Seigneur, délie maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, remplis-la, Saint-Jésus. Remplis-la ta puissance. Remplis-la maintenant, remplis-la. Au nom de Jésus. Seigneur, libère ton feu. Relâche. Relâche maintenant ton feu. Seigneur Jésus, maintenant, les dons de guérison. Seigneur Jésus, les dons de foi. Seigneur Jésus, les dons de foi. Maintenant, augmente sa foi. Saint-Esprit de Dieu, maintenant. Augmente sa foi, maintenant. Seigneur Jésus, maintenant. Maintenant, le Seigneur te l'accorde. Il te l'accorde. Maintenant. Par le feu. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Seigneur Jésus. C'est l'Esprit de Dieu. Voilà le que je t'ai fait, mon Seigneur Jésus. Seigneur, maintenant, libère ton feu. Le feu depuis le troisième ciel. Seigneur, maintenant, descends ton feu. Descends ton feu, Saint-Jésus. Remplis ton feu, Seigneur. Libère ton feu maintenant. Que ton feu descend. Seigneur Jésus, remplis ta sémence. Remplis ton feu. Que ton feu descend maintenant. Seigneur, tu l'as rempli ton feu. Que ton feu descend maintenant. Seigneur, augmente ton feu. Seigneur, augmente ton fanel. Maintenant. Tu la localises par ton feu. Maintenant. Remplis la Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, dans cette toute esprit de distraction de la vie de cet enfant. Maintenant, la quitte maintenant. Toute esprit de distraction, sortez maintenant. J'envoie le feu contre toi. Le Seigneur te menace à l'instant même. Toi, esprit de distraction, je t'entends maintenant de la lâcher. Libère ton cœur maintenant. Sortez maintenant. Lâche prise maintenant. Le feu descend sur toi. Le feu descend maintenant. Le feu maintenant descend. Il te prie maintenant au nom de Jésus. Toi, distraction, j'entends maintenant de sortir de maintenant.
maintenant, car elle appartient à Jésus-Christ. Seigneur, tu l'as rempli de ton feu, que le feu de vente descend. Seigneur, t'es dit, maintenant, descends ton feu. Seigneur Jésus-Christ, descends ton feu. Libère, libère ton feu maintenant. Maintenant. Seigneur Jésus, maintenant. Seigneur Jésus, descends ton feu. Remplis-la par ton feu. Remplis-la. Au nom de Jésus. Seigneur, descends. Descends ton feu. Seigneur Jésus, maintenant. Que ton feu descend. Sors de toi maintenant. Il te libère maintenant. Il te lâche maintenant. Maintenant. Il sort de toi. Le feu descend maintenant. Depuis le troisième ciel. Maintenant, le Seigneur te libère. Il te libère maintenant. Remplis-la de ton feu. Remplis-la de ton feu. Libère-la. Libère-la. Relâche ton feu. Libère ton feu. Au nom de Jésus qui Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu la restaures. Tu la restaures. Seigneur Jésus, restaure ta sœur. Restaure-la maintenant. Seigneur Jésus, nous entendons maintenant. Que tout cet temps se réveille. Cet temps se réveille maintenant. Maintenant. Seigneur Jésus, la restauration totale. Maintenant. Ça descend. Le temps maintenant, ça descend. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant même au nom de Jésus. Nous entendons maintenant. Que tout le temps soit restauré. Au nom de Jésus qui n'a cité. Seigneur, maintenant descend. Descend. Tout esprit qui empêche que cet temps se réveille. Maintenant, nous le frappons maintenant au nom de Jésus. Maintenant, cet temps se réveille. Augmente ton feu. Partout dans son corps, Seigneur. Que ton feu descend. Seigneur, tu l'as rempli. Remplis-la de ton feu. Seigneur, tu l'as rempli. Seigneur, remplis-la, Seigneur Jésus. Remplis-la de ton feu. Seigneur Jésus, remplis-la de ton feu. Maintenant. Seigneur Jésus, maintenant. Oui, maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, maintenant. Que toutes les dons qu'il y a en elle, Seigneur Jésus, maintenant, se ressuscite. Maintenant. Il s'attire. Oui, le feu. Le feu attire maintenant. Oui, Saint-Esprit descend. Il descend par sa puissance. Il descend, il te remplit maintenant. Les dons se réveillent. Le Saint te restaure. Le Saint-Esprit te restaure. Il te restaure par son feu. Il te restaure maintenant. Le Saint-Esprit te restaure. Il te restaure. Tout est temps maintenant se réveille. Oui, maintenant, tu commences à attendre la voix du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant. Le Seigneur, maintenant, ouvre tes yeux pour voir. Ouvre tes yeux maintenant pour voir. Le don de vision, maintenant, le Seigneur l'active maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, tu l'as rempli de ton feu. Remplis-la au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus, acclame ce qu'il a fait dans ta vie, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Même tu as assis, tu vas, ou pour nous asseoir, tu vas te disposer pour écouter la parole du Seigneur. Tu vas commencer à prier. Dis au Seigneur de disposer ton cœur. Commence à dire au Seigneur Jésus-Christ de disposer ton cœur. Pour écouter sa parole, commence à dire au Seigneur, Seigneur, dispose mon cœur. Je vais écouter ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, la parole qui nourrit, la parole qui guérit, la parole qui lave, Seigneur. Seigneur Jésus, je vais écouter ta parole. Saint-Esprit de Dieu, je vais écouter ta parole, Seigneur. Je t'en supplie. Papa, ouvre mon esprit, Seigneur.
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis au Seigneur de disposer ton cœur. Dis au Seigneur Jésus de disposer ton cœur. Dis au Seigneur Jésus de disposer ton cœur. Dis au Seigneur Jésus de disposer ton cœur. Comment ça dit au Seigneur Jésus Christ de disposer ton cœur. Comment ça prie. Sa parole. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Que quelqu'un dise la foi. La foi. La foi. Alléluia. Amen. Donc, nous allons essayer de voir ensemble, par les Saintes Écritures, ce que c'est. Qu'est-ce que la foi? Et également, comment est-ce que elle se manifeste? Et quelle est la place, en quelque sorte, de la foi dans la vie du chrétien. Amen. Amen. Et nous allons finir par... Bon, après ça, il y aura également... Si les gens auront des questions, ils pourront les poser. Parce que le message... Nous ne serons pas très, très longs ce matin. Donc... Amen. Amen. Donc, après, Amen. S'il y a des questions... Donc, s'il y a des questions après, on peut, et peut-être avec la grâce de Dieu et à l'aide des Écritures, on pourra y répondre. Et nous allons finir par donner un peu quelques méthodes aux chrétiens, quelques méthodes de méditation, en fait. Alléluia. Bon, nous commençons. C'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? Beaucoup de bon, ok, mais sinon c'est également c'était d'accord, okay. Voilà, beaucoup de personnes disent non, j'ai la foi. Les gens ont la foi à beaucoup de choses, vous voyez, même ceux qui adorent les arbres là, c'est parce qu'ils ont mis leur foi en l'arbre. Ne dites pas qu'ils n'ont pas la foi, ils ont la foi. Mais quelle foi donc? Ils ont la foi que leur arbre qu'ils adorent va les exaucer. Mais là, nous ne parlons pas de n'importe quelle foi. C'est pourquoi je préfère d'abord définir la foi de façon générale d'abord, avant de parler de la foi chrétienne. Là, je parle juste de la foi de façon globale. La foi, en fait, c'est croire en quelque chose, mettre sa confiance en quelque chose. Donc, mettre
je ne sais pas comment dire ça. De son énergie en quelque chose. Donc avoir pensé fermement et espérer que cette chose-là peut nous apporter quelque chose. Bon, je vais dire ça comme ça. C'est vrai que c'est vrai. Maintenant, et la foi, de vaguement parler, c'est différent de la foi des chrétiens que nous sommes. On va ouvrir Hébreux 11. Du verset 1 à 6. Et Romains 10, 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1 à 6. On va aller doucement. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, on peut avancer avec le verset 1. La foi, d'après la Bible, est la ferme assurance de quelque chose qu'on espère, c'est-à-dire de quelque chose que tu sais que c'est vrai, bien que tu ne l'aies pas encore vu, en quelque sorte. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Par exemple, je ne sais pas comment dire ça. Supposons un peu que tu pries pour quelqu'un qui est malade. Et la personne, après avoir prié pour la personne se comporte exactement comme si la personne était guérie. Et c'est ce comportement donc de la personne qui fait les choses habituellement comme une personne en bonne santé. Je prends cet exemple pour qu'on essaie un peu de comprendre ce que c'est que la foi. De la personne, on peut donc dire que la personne a la foi. Parce que la personne sait qu'elle est guérie, bien qu'elle ne voie pas encore la guérison de ses propres yeux. Et la Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. On peut continuer. Pour l'avoir possédé, alléluia, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Le verset 6 qui dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Cette simple phrase nous fait comprendre que la foi est une nécessité pour tout chrétien. Parce que pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Et la Bible dit que qu'un tel homme, que celui qui n'a pas la foi, ne s'imagine même pas qu'il va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que nous servons un Dieu de foi. Nous allons voir dans le message qui va suivre, en fait, dans le passage suivant, comment notre Dieu lui-même est un Dieu de foi. Il ne nous dit pas seulement « ayez la foi ». Lui-même, il a d'abord la foi. Et on va voir ça par l'Écriture. Comment lui-même, il manifeste sa foi à lui. Et il nous demande également de manifester notre foi en lui, en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Romains 10, 17.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis de Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Alléluia. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen. Alléluia. La foi. On a parlé de la foi. Maintenant, on est en train de parler d'où est-ce qu'elle vient. Son origine. La foi, là, ça sort d'où? Ainsi, la foi. Alléluia. Vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend. Et ce qu'on entend. Vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Oui. Cela signifie, tu peux lire les livres, tu peux lire les bouquins, tu peux lire le journal, mais la foi ne viendra pas. La foi vient non seulement de ce qu'on entend, pas de ce qu'on lit. Je vais expliquer ça tout à l'heure. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Or, lorsque on médite, on n'entend pas. Qu'est-ce qu'on fait? On lit. Et la Bible n'utilise, n'emploie pas un mot au hasard. Hein. Si la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, c'est exactement de ce qu'on entend. Alléluia. Alléluia. Donc, mais pour entendre, pour que la foi vienne à toi, ça passe automatiquement par l'écriture. Parce que la Bible dit que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ce que tu as entendu de la parole de Christ, c'est de là que vient la foi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est en méditant la parole de Dieu, en la méditant constamment, à la fin du message, on va voir comment méditer efficacement la parole. Pour faire grandir la foi en chaque chrétien. Parce que vous savez, la foi c'est quelque chose, comme je l'ai dit tantôt, de très nécessaire pour la marche avec Dieu. Amen. Avoir la foi, donc, ça signifie reposer entièrement sa confiance sur Jésus-Christ. Alléluia. Avoir la foi signifie voir avec les yeux, avec les lunettes de la Bible. Donc, avec les lunettes de Dieu, en quelque sorte. Parce que la foi est un peu comme un filtre. La Bible est un peu comme un filtre par lequel tu passes pour avoir la foi. Donc, c'est en méditant la parole de Dieu, en la méditant encore et encore, que tu entends. Alléluia. Alléluia. On a, par exemple, l'exemple de Pierre. Une fois, Jésus-Christ était dans le navire avec ses disciples. Et en fait, disons qu'il s'était avancé. On va pas lire le passage là. Parce que je voudrais être le plus bref possible. Amen. Ils étaient dans le bateau. Apparemment, ils étaient partis avant Jésus. Et Jésus est resté. Et une tempête s'est levée. Et ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau. J'espère que tout le monde se rappelle quand même. Oui. Voilà. Ça, c'est pour gagner en temps. Hein. Donc, ils ont donc vu Jésus qui marchait à lui, venait à eux. Et les disciples tous ont paniqué. Ils disent, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Ils disent, ah, c'est toi. Hein. Pierre, alors, le plus courageux, alléluia. Il dit, bon, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi. Paul dit, Jésus-Christ dit, viens. Qu'est-ce que Paul a entendu? Viens. Il a entendu le viens. C'est-à-dire, le viens du maître. Et laissez-moi vous dire que si Pierre ne croyait pas que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, il ne pouvait pas mettre son pied dans l'eau. Je vous assure, parce que si toi tu es humain et que tu vois un autre être humain, marcher sur les eaux et il te dit viens, tu vas d'abord réfléchir deux fois. Je vous dis vrai. Tu vas réfléchir deux fois avant de sortir même d'abord ton pied de l'eau. Mais dès qu'il a dit viens, Pierre fait comme s'il attendait seulement ça. Il est face. Alléluia. Maintenant, Pierre alors, à un moment donné, se rendant compte qu'il a été marché sur l'eau, a commencé à raisonner. Il dit que hey, moi-même là, je suis. Hey, moi-même, je suis fort, il marche sur l'eau. Attends, dès l'instant où il commence à penser que ça vient de lui, il a commencé à s'enfoncer. Parce qu'il n'a pas gardé sa foi en Jésus. Parce que s'il avait toujours les yeux rivés sur Jésus, c'est qu'il devait toujours continuer à marcher en regardant la Christ. À marcher en regardant la Christ. Alléluia.
de Jésus. Amen. Amen. Matthieu 9. Nous allons voir quelques exemples de ceux qui ont marché par la foi. Amen. Amen. Matthieu 9, verset 18 à 26. On va aller doucement parce qu'il y a deux cas dans ce passage. Donc, il y a d'abord le verset 18 à 22, je pense que... Je lis au nom de Jésus-Christ. Le livre de Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 18. Tandis qu'il adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens imposer lui les mains et elle vivra. Parole du Seigneur. Amen. Là, on voit le cas d'un homme dont la fille était morte. C'est la même chose qu'on a lu tout à l'heure en ce qui concerne Pierre. Si l'homme-là croyait aussi que Jésus-Christ était un homme ordinaire, il lui aurait jamais dit « ma fille est morte ». Parce que même les docteurs, si tu viens même dire à un docteur « ma fille est morte », on va dire « mais toi tu es fou ». Tu viens dire au docteur que ta fille est morte, le docteur va te dire « il est trop tard, il ne peut plus rien ». Mais si l'homme s'adresse à Jésus, il comprend que malgré le fait que pour les hommes, c'est trop tard, c'est fini. Pour celui-ci, il peut. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, lui, il avait la foi. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui dit? On peut continuer en Dieu. Au verset 19. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, autant pour moi. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je continue. Non, ouais, continue. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à elle-même. Parole du Seigneur. Comme il disait ici maintenant, la femme, bon, Jésus est en route pour aller exaucer en quelque sorte la foi de l'homme qui a dit que ma fille est morte, tamponne une femme. C'est la fille de Jairus. De Jairus, tout à fait. Tamponne une femme qui a saigné pendant, bon, là, je ne vais pas me mettre à la place des femmes, mais c'est vraiment horrible. D'abord, les femmes qui ne supportent pas les 3 jours, 4 jours là. Imaginez alors une qui a saigné pendant 12 ans. J'imagine que même physiquement parler, elle devait être très chétive. Hein. Ouais, parce qu'ayant perdu beaucoup de sang de là, pendant 12 ans, waouh, ce n'est vraiment pas évident. Mais elle n'a pas désespéré. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, et elle a mis sa confiance en Jésus, parce qu'elle se disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement. Donc elle voyait déjà son saignement s'arrêter à l'instant où sa main touche l'habit de Jésus. Alléluia. C'est ça la foi. Donc elle voyait quelque chose qu'elle ne voit pas encore. C'est un peu ça. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir Genèse. Non, avant Genèse, Matthieu 15, 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le livre de Matthieu, chapitre 22. 15. Matthieu 15, à partir du verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria,
aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Tu continues? Oui, continue. Avec 8. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit, avec instant, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vit se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Sachez que là, nous sommes dans un contexte où, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même qui avait appelé les Cananéens les chiens. Et en d'autres temps, il ne devait pas avoir de rapport entre les Cananéens et les Juifs. Parce que c'est un peuple que Dieu lui-même a massacré. Il devait dire ça comme ça. Parce que c'est la terre de Canaan qui leur était promis. Donc il fallait que les enfants d'Israël arrivent là-bas, éradiquent tous ceux qui sont là-bas, parce que Dieu avait demandé d'éradiquer tout le monde. Donc, d'après l'écriture, les Cananéens étaient des chiens. Mais la femme en question a accepté d'abord la parole de Dieu pour reconnaître que non, oui, je suis effectivement un chien, puisque la parole de Dieu disait que les Cananéens sont des chiens. Elle dit que malgré le fait que je suis un chien et que le pain est réservé que pour les enfants, et les enfants sont les enfants d'Israël. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Donc ce n'est que pour eux qu'est réservé la guérison. Mais elle dit que il n'y a pas de problème. Donne-leur le pain. Mais ce que le chien veut, c'est les miettes. Alléluia. Donc, à imaginer seulement un peu le scénario. Tu es là peut-être à table avec les enfants. Et il y a le petit chien qui est là. Il mange les miettes de pain qui tombent de la table de l'enfant. Et c'est comme ça que la femme a visualisé l'affaire. Elle a dit que mais le chien mangeait quand même les miettes. Or, sans savoir que les miettes en question, c'est aussi le pain. Mais peut-être une ça, je ne sais pas comment dire ça, ça sort du pain. Donc en gros, elle a cru que la miséricorde de Dieu pouvait s'appliquer dans sa vie. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Genèse 22 maintenant. Là, on va maintenant prendre l'exemple du patriarche Abraham. Ici, on va comprendre quelque chose. Un genre de parallèle. Genèse 22 à partir du verset 1. À 13. J'ai lu au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre ouvre Hébreux 10, le verset 1. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en. On va d'abord, au fur et à mesure, on va souligner les petits mots parce que ça va nous aider devant. Alléluia. Celui que tu aimes. Attends, prends. Dieu dit, prends ton fils. Voilà, commencez à signer ou bien commencez à mettre en mémoire la partie. Prends ton fils. Ton unique. Celui que tu aimes. Isaac. Va-t'en. Au pays de Morija. Et là. Offre-le. En holocauste. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Voilà, bon, vous arrêtez là-bas pour ce qu'on a cité ensemble là. Alléluia. Vas-y, continuons de Dieu. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste
est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. » Attends, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Il faut également garder la partie ici. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Continuons de Dieu. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta de sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors, Abraham porta de sa main le feu et le couteau. Ok, c'est Abraham qui a le feu et c'est Abraham qui a le couteau. Soulignez également la partie là. Ça va nous aider. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Alléluia. Amen. Où est l'agneau pour l'Holocauste ? Continue. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. Ok, soulignez aussi la partie où il dit, Dieu se pourvoira lui-même, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Alléluia. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alléluia. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Mais voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Alléluia. Parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Hébreux 10:1. Je vais parler de Dieu avec respect. Hébreux 10:1. En effet, la loi qui possède le nombre des biens à venir et non les actes représentations des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent le culte... Non, juste le verset. En effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir, et non l'exacte représentation des biens. Vous allez m'excuser, ma Bible est un peu trop. Là, il y a une petite écriture. Tu peux relire un des deux, s'il te plaît. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. La loi ne peut jamais amener des assistants à la paix. Non, ça va aller. Merci. À la perfection. Alléluia. Amen. Bon, dans Genèse 22, nous avons vu Abraham. Alléluia. Nous avons vu Abraham et son fils. Puisque dans Hébreux 1, la Bible dit que, dans Hébreux 10:1, la loi c'est juste l'ombre. C'est juste une image, une représentation de ce qui va se passer.
Vous allez voir la foi de Dieu. Alléluia. Alléluia. On voit donc Abraham qui prend son fils. Qu'est-ce que Dieu dit d'abord à Abraham? Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. Dieu montrait par là que lorsque les temps seraient accomplis, il donnera son fils, son unique. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et qu'est-ce qu'il a demandé à Abraham? Ton unique. Et il a encore précisé celui que tu aimes. La Bible dit également de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Donc, le fils, donc Abraham, Dieu parle à Abraham, en effet, c'est lui-même. Alléluia. Là, vous allez comprendre pourquoi Jésus disait la loi, les psaumes, les prophètes n'ont parlé que de moi. Alléluia. Et le prochain mot qu'on a souligné, c'était quoi? Perfection. Non, dans Genèse 22. C'était 2 à 13. C'était 2 à 13. Oui, Genèse 22, de 1 à 13. Il dit le prochain passage qu'on a suivi dans... Je lis au verset 7. Il dit, alors, Isaac parlant, et Abraham, son père, dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Voici le feu et le bois, et où est l'agneau pour le logos? Ok. Voilà. Ok. Ok. D'accord. Waouh, ça est bon, c'est bien. C'est bien là, c'est bien gros. Amen. Il dit donc, au verset 7, où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau pour l'holocauste? Ce qu'Abraham dit, c'est Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Alléluia. Hébreux 10, on va voir qui est dans l'agneau là, pour l'holocauste. Hébreux 10, verset 1. Non, pas verset 1. Verset 5 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, attends, on va d'abord s'arrêter là. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, mais les gens vont se poser, ils veulent savoir, mais qui est Christ? Parce qu'il faut faire une grande distinction. Jésus, c'est pourquoi la Bible dit Jésus est le Christ. Et c'est pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Maintenant, qui est Christ? On ne dit pas c'est pourquoi Jésus entrant dans le monde. La précision vaut la peine. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Romains 9, verset 5. On va voir qui est le Christ qui est entré dans le monde. Mais on garde Hébreux 10 là. Parce que je... C'était quel verset? C'était le verset 5 à 8. Mais on a commencé à lire. Mais je veux qu'on avance petit à petit. Romains 9, verset combien? 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 9, à partir du verset 5. Et les patriarches, et de ce qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Que Christ est Dieu. Le Dieu, là, ça veut petit ou grand. C'est grand. Ok. Qui est le Dieu béni éternellement? Donc, dès qu'on rentre dans Hébreux 10, à partir du verset 5, c'est pour dire que
En d'autres termes, Dieu entrant dans le monde. Alléluia. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Pour que Dieu entre dans le monde, il faut automatiquement un corps. Alléluia. Et tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Là, vous comprenez, Dieu qui fait la volonté de Dieu. Puisque tout à l'heure, on a dit que qui est Christ? Amen. Dieu bénit éternellement. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque Isaac, dans Hébreu, bon, vous allez m'excuser, on va faire de temps à autre les décalages de ce genre. Lorsque Isaac pose la question à Abraham de savoir où est l'agneau pour l'Holocauste, souvenez-vous que lorsque Jean le Baptiste se baptisait, dès qu'il a vu Jésus, il a dit que voici l'agneau. L'agneau que Dieu avait promis à Abraham, Dieu se pourvoira. Dieu parlant par Abraham disait qu'il va se pourvoir lui-même. Dieu se pourvoit lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et Jean-Baptiste a donc vu cet agneau et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Autrement, c'est le sacrifice que Dieu lui-même s'est pourvu. Maintenant, on a dit tout à l'heure que et pour égorger le sacrifice, il faut automatiquement le sacrificateur et l'animal. On a donc vu que Jésus est l'agneau, donc l'animal du sacrifice. Maintenant, on se pourrait savoir qui est le sacrificateur. D'après Hébreux qu'on vient de lire, on dit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, Dieu lui-même, il est entré dans le monde pour offrir son sacrifice à lui-même. C'est pourquoi l'Écriture déclare également que le sacrifice que Jésus a fait, il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui offre. Ce n'est pas un homme. Parce que même dans Hébreux également, la Bible dit que le sacrifice que les gens offrent chaque année ne pouvait pas amener à la perfection. Parce que une fois que l'année est finie, il faut qu'on offre encore un autre sacrifice pour les péchés de l'année là. Après l'année, il faut encore qu'on offre un autre sacrifice encore. Mais Jésus est entré. La Bible déclare qu'il est entré une fois pour toutes. Pas dans une maison faite de mains d'hommes, mais dans le véritable. Alléluia. Bon, pour acquérir la foi présentement, premièrement, il faut avoir, avant même de lire la parole, il faut avoir d'abord un cœur humble et un cœur de pardon. Amen. Vous savez, quand tu lis la parole de Dieu avec un cœur déchargé, tu donnes la libre option au Saint-Esprit de te parler. Et de ce qu'il t'aura dit, de ce que tu auras entendu, c'est de là que ta foi va davantage grandir. Il faut également être humble. Parce que la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Amen. Quelqu'un peut lire Luc 5, 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis de Luc chapitre 5 à partir du verset 5. 5 ou 16? 5, 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen.
Vous voyez que là, Simon Pierre avait un cœur humble. Et vous voyez, et il a jeté le filet à l'intérieur. Dès que Jésus lui a dit, il a dit, suis ta parole, jette le filet. Il a obéi de façon immédiate à la parole. Et il n'a pas dit, ok, comme on a tellement travaillé toute la nuit, peut-être c'est demain que je vais jeter le filet. Parce que si j'étais demain, ça n'aurait pas eu le même résultat. Alléluia. Bon, voyez ma dernière partie que j'ai intitulée « Comment méditer efficacement ?» Mais avant ça, s'il y a des questions, je pense que... Amen. Ah, ok. Comment méditer efficacement la parole de Dieu donc? Quelqu'un ouvre Josué 1, 8 et Somme 1, le verset 1 à 3. La première chose, c'est qu'il faut avoir une Bible. La Bible. Amen. Il faut avoir sa Bible. Vérité. Somme 1. Je lis le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Attends la bombe de Dieu. Somme 1, 1 à 3. 1 verset, il faut combien? Somme 1, Somme chapitre 1, verset 3. Et Josué 1, 8. Il faut également un cahier de notes et un dictionnaire. C'est important le dictionnaire parce que quelqu'un m'a dit, oh, si Dieu est, quelqu'un m'avait dit ça une fois, si Dieu est aussi juste, pourquoi est-ce qu'après qu'il a eu à créer Adam, la Bible dit qu'il s'est repenti. C'est bien écrit qu'il s'est repenti. Mais c'est quoi se repentir? Est-ce que Dieu allait se placer à genoux comme ça là, et dit que, oh, pardon, je me repens, moi, je me repens. Mais lui, il comprend ça avec sa logique, avec son cerveau. Pourtant, on ne comprend pas la parole avec son cerveau. Le seul truc qui peut vous interpréter la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même encore dans sa parole. Amen. C'est pour dire que pour comprendre la parole de Dieu, c'est un verset qui interprète un autre. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Faut toujours rester dans la parole. Et même une révélation, si vous avez une révélation, si vous rêvez peut-être que vous voyez, vous avez une révélation de quelque chose, cherchez le fondement dans la parole. Alléluia. Tout est dans la parole. Dieu, c'est sa parole. Celui qui s'éloigne de la parole, non. Dieu, c'est sa parole. Il faut que ce que tu dises, ce que tu fais, ce que tu appliques ait un fondement dans la parole. Parce que l'Écriture dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc Jésus est la fondation. Vous savez pourquoi un bâtiment tient, il faut une fondation solide. Celui donc qui se tient sur la parole, même, nous dit même la Bible, il est semblable à celui qui a bâti une maison sur le roc. Les vents sont passés. Les vents, c'est quoi? Les fausses doctrines qu'on entend partout dehors là sont passées. La maison est restée. Les tempêtes sont levées. D'autres fausses doctrines encore sont venues sur la maison. Mais parce que la maison était basée, était fondée sur Jésus-Christ qui est la parole. Alléluia. Amen. Bon, ben ça c'était une parenthèse. C'était pas là mon message. Un autre point également. Il faut également demander. Bon, après la Bible, le cahier, le dictionnaire, il faut également demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que vous savez, la Bible dit que nul ne peut connaître les choses de l'homme si ce n'est pas l'Esprit de l'homme. De la même façon, personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et surtout, en troisième point, notez les passages clés et les répéter et les mémoriser. Josué 1:8. Je le lis? Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis de Josué chapitre 1 à partir du verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Attends, on va aller petit à petit.
qu'un seul livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu dois parler la parole. Quand on dit quelque chose ne s'éloigne point de ta bouche, ça veut dire que tu dois continuellement la parler. C'est pourquoi il y a un exercice pratique que moi et monsieur dit. Je ne passe jamais une journée. Je ne sais pas, peu importe la circonstance ou bien l'occasion, sans citer au moins une parole de l'écriture. Donc, c'est là de façon automatique, le genre que je peux rester comme ça là. Mais je suis même pas en train de méditer, je suis même peut-être en train de voir peut-être un documentaire ou bien un passage biblique me vient, je parle cela. Donc, c'est la première chose pour la méditation. Parler la parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est le premier point. Tu dois d'abord parler la parole. Face à la situation, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, de la parole, de la parole de leur témoignage. Vous pensez que la parole de leur témoignage venait d'où? C'était la parole de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, lui-même dans le désert, il a résisté au diable par quoi? La parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alléluia. Deuxièmement, que ce livre de la loi ne se lance pas de ta bouche. Premier point. Médite-le maintenant, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La méditation parle d'une réflexion profonde. C'est-à-dire, lorsque tu médites la parole, tu lis peut-être un verset, tu t'arrêtes. Et il faut prendre son temps, surtout. Il faut surtout prendre son temps pour méditer. Tu lis un verset, tu peux même réfléchir sur un seul verset pendant 5 minutes. Hein. Oui. Quand tu médites, c'est comme ça. Il y a le moment où je peux lire un chapitre comme ça, là, pratiquement en 45 minutes. Il faut dire la vérité. Un chapitre d'un livre. Parce que la méditation, ce n'est pas une lecture comme on lit. On lit pas, on médite pas comme on lit le roman. Tu prends un verset, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ceci? Pourquoi il n'a pas dit ça? Et au fur et à mesure que tu vas lire et relire encore, le Saint-Esprit peut te conduire dans un autre passage qui a rapport avec le passage que tu viens de lire. Et à partir du passage que tu viens de lire, le Saint-Esprit peut te donner une leçon. C'est la leçon-là donc qu'on appelle la foi. Alléluia. C'est de là, c'est comme ça que la foi naît, c'est comme ça que la foi grandit en nous. Amen. Mais dit le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est pour dire, tu veux la clé du succès, tu veux réussir, médite la parole. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Amen. Même dans le psaume 1 que je... il est également dit un truc comme ça là. Je lis le nom de Jésus-Christ. Réussi. Oui, oui, lis homme de Dieu. Je lis le psaume chapitre 1 à partir du verset 2. À partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Alléluia. Et donc, le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Parole du Seigneur. La Bible dit tout ce qu'il fait. Là-bas, il dit, lui réussit. Ici, il dit, car c'est alors que tu auras du succès. Vous voyez qu'il réussit le succès. C'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Donc, le secret également de la réussite dans la vie, c'est la méditation. Amen. Alléluia. C'est la méditation de la parole. Et surtout la parler, c'est très, très, très important. Si Jésus-Christ lui-même, devant le diable, a utilisé la parole. Devant le diable, il n'a pas utilisé les prières de combat, il a utilisé la parole. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une épée. Donc, quand il lâche la parole comme ça, là, c'est un peu comme s'il faisait ça. Ah oui. Avec l'épée, bien sûr. Et par rapport, face également aux situations de la vie, apprenons à parler à la situation. La Bible dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, au toit de là. La montagne, c'est quoi? Ça peut être la difficulté, je ne sais pas. Une situation par laquelle tu passes, ou bien, je ne sais pas trop. Bon, une difficulté en quelque sorte, quelque chose qui ne t'arrange pas. Donc, qui te fatigue, on va dire ça comme ça.
c'est par la parole. Amen. Pour chasser les démons, c'est par la parole. Amen. Tout est avec la parole. La Bible dit que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Amen. Allez toujours à la parole, c'est très important. Amen. 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 Pourrais-je apporter juste un tout petit truc en plus? Ouais, il n'y a pas de souci. En fait, quand on médite la parole, c'est comme une prière, voyez-vous. Si vous voulez que le Saint-Esprit vous enseigne vraiment, véritablement, eh bien, avant, il faut aussi se repentir. Parce que tu ne lèveras pas les mains au ciel pleines de sang, pleines de crimes selon Esaïe, mais les mains pures selon 1 Timothée. Amen. 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 Donc c'est une vraie clé de réussite. Et en même temps, moi j'aime beaucoup dire ça, tu peux prendre Matthieu 11 ou Jérémie 33, il y a Deutéronome également, où tu demandes à Dieu de te révéler les choses cachées et de t'enseigner. On parle aussi instruis-moi. Il faut lui demander de t'instruire. Donc c'est la prière avant même commencer. C'était très très bon, le nom de Dieu. Je vais juste apporter ça. Ce petit point en plus. Amen, amen, amen. Ouais, bien sûr, bien sûr. Merci, homme de Dieu. C'est très important. Donc, bien aimé, faisons l'effort. C'est vrai que on est occupé à longueur de journée, mais faisons l'effort. Ne serait-ce que de méditer, même si c'est un seul passage. Même si c'est un seul chapitre le matin et un chapitre en soirée, c'est très important, franchement. Il en va de votre croissance dans la foi. Tu veux grandir dans la foi, médite. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci d'avoir acclamé l'homme de Dieu. On dit acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons attendu aujourd'hui la foi. Nous avons attendu la foi. Aujourd'hui, il faut que ta foi augmente. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit: entrez en vous-même pour voir est-ce que vous êtes encore de la foi. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 13 à partir de 6. Ça veut dire le Seigneur vient chercher ceux-là qui ont la foi en lui, qui gardent l'espérance. Alléluia. Donc nous devons garder la foi. Garde ta foi. L'homme de Dieu a dit, lorsque le vent vient, le vent ce sont les problèmes du monde. Ce sont les problèmes que tu subis. Alléluia. Lorsque ça vient, le Seigneur dit, garde la foi. Même lorsque tu demandes quelque chose dans la main du Seigneur Jésus, il faut mettre ta foi dedans. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes. Alléluia. Alléluia. Tu vas danser pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Qui a béni? Amen. Qui a béni? Amen. Alléluia. Amen. Oh, Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé, Papa. Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé, Papa. Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as levé, Papa. Ah, Papa Jésus,
Je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé, papa. Papa Jésus. Je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé, papa. Papa Jésus. Je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé, papa. Papa Jésus. Je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé, papa. Papa Yeshua. Je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé, papa. Papa Jésus. Acclamez ton salut, acclamez ta résurrection, acclamez.
son nom. À 14h, on connaît l'heure,
le commencement, mais on ne connaît pas le de la fin. Alléluia. Donc, si, je ne sais pas si vous avez des moments, une petite annonce. Oui, elle a déjà donné la feuille. C'est pas la feuille. Oui, où est la feuille là? Nous, on pense que c'est chèque. On le met dans la dîme. Oui, mais voilà, attends, on va finir. Mais on dit, ah, si, annonce, c'est pas, annonce, non? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur qui nous a encore le Seigneur qui nous a encore envoyé dans la mission et qui nous a ramené sans son. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons été bénis. Alléluia. De la même manière que la bénédiction tombe sur les hommes de Dieu, la bénédiction aussi tombe, alléluia, si les servantes, alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur vraiment s'est souvenu de tous ses enfants, il a béni tous ses enfants, alléluia, donc c'est l'aide d'encourager chacun, persévérons, c'est très très important, persévérons, alléluia, dans la marche, le Seigneur te connaît, il me connaît, il connaît chacun de nous, alléluia. Peut-être dans ta prière, tu peux dire, ah Seigneur, moi j'ai peur tout le temps, mais le Seigneur te connaît. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur veut que tu travailles encore. Amen. Et dans les enfants d'Israël, il ne fait que combat. Il ne fait que combat. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis abondamment. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons faire prière de fin. Je voulais partager quelque chose. Je ne sais pas si c'est le moment où il faut faire la prière de fin avant. Témoignage ou... Oui, en fait, c'est ce qu'on a vécu hier, donc du coup, je voulais partager. Alléluia. Moi, viens. Acclame le Seigneur. Shalom. Alors, on dit souvent, c'est vrai que le bonheur de quelqu'un reste son bonheur, c'est que le Seigneur nous demande de nous régir avec ceux qui sont aussi la joie. Ouais. C'est vraiment pour partager, c'est vraiment une joie. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on a vécu hier lors de l'évangélisation. C'est la première fois qu'on allait à Vannes. C'est vrai que j'appréhendais beaucoup parce qu'en même temps, comme dit souvent mon mari, en fait, je connais tellement les gens dans Vannes. En plus, c'était à côté de là où j'habitais avant, donc il y avait les visages familiers, dis-moi. Et lors de l'évangélisation, c'est vrai que c'est vraiment la première fois que... Mais en fait, on a un petit jeune musulman. Comme en fait sur le parc de Vannes, si vous voulez, il y a des personnes qui viennent pour des manifestations ou des exposants. Il y a des gens qui vendent plein de choses deux fois par là. Et ce jeune homme est venu avec ses parents. C'est pour... il y a un photographe qui exposait en fait ses œuvres. Il y avait des gens qui faisaient la queue pour y aller. Et après, je le vois, il parlait... Je la voyais parler avec le petit garçon. Et après, il vient vers moi, il commence à me parler. Je l'écoutais, je lui parlais, donc, vu qu'elle avait déjà parlé avec lui, donc du coup je me disais que c'était déjà fait. Et je vois que le garçon, il est toujours là avec moi. Je lui demande, mais toi, où sont tes parents? Parce qu'en fait, vu que c'est un musulman, et des fois il faut faire attention, moi je fais beaucoup attention. Parce que je sais qu'ils sont... Ils n'aiment pas trop quand on leur parle d'une personne que de leur Dieu. Et je lui demande, où sont tes parents? Il me dit, ah en fait mes parents sont là-bas, tu vois où il y a le photographe? Oui. Je lui dis, toi tu fais quoi là? Il me dit, parce que ce que tu dis là, ça me fait du bien. Il me dit, ça me fait du bien. Je lui dis, mais non. Allez regarder l'exposition, le photographe là, c'est plus agréable, tu dois aller avec ses parents. Il m'a dit non, je n'aime pas ce qu'ils font, moi je veux entendre ce que tu fais. Il est là, il faisait que me suivre. À un moment donné, je le regardais, je me dis que mais comment tu fais même quoi ici? Et après, quand moi j'étais, elle était à parler avec quelqu'un, je suis revenue à côté, et après il me dit, madame, revenez avec moi, rechantez-moi la chanson de tout à l'heure. Je lui dis, mais de quelle chanson? Rappelez-vous de la chanson que vous venez de chanter. Et je me mets à chanter avec lui, il reste là. En fait... Le regard de ce petit, en même temps, quand il te parle, tu as l'impression qu'il n'est plus là avec toi. En fait, il est loin. Mais il t'écoute, hein. Il repart. Il écoute maintenant ce que dit la soeur. Il revient encore vers moi. Ah, chez moi, on me dit que si je prie Jésus, je vais à l'enfer. Et je lui dis, ok, regarde ce que tu vas faire. Parce que je ne savais pas où étaient ses parents. Donc, du coup, je faisais attention. Parce qu'en fait, le petit, il était comme un ennemi. Il avait l'âge d'un ennemi. Du moins en âge, c'est à peu près ça. Il avait 12 ans à peu près. Sa taille en tout cas. Sa taille, voilà. Et du coup, je faisais vraiment attention à ce que je pouvais lui dire parce que voilà, c'est un enfant encore. Et je lui dis, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller prier.
c'est quoi, c'est Issa, vous l'appelez? Je dis, ok, moi je l'appelle Jésus, va prier maintenant. Lui-même, je sais qu'il va se révéler à toi. Il me dit, ok, il part encore vers la sœur. Il va écouter ce que la sœur dit. Il revient encore vers moi. Il me dit, madame, tenez votre papier que vous m'avez donné. Je dis, ah, ça y est, tu as changé d'avis maintenant. Il me dit, ah non, 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 ce que vous dites, c'est la vérité. Tout ce que vous avez dit, je n'ai pas besoin de votre papier, c'est parce que c'est dans mon cœur et c'est dans ma tête. Et on est parti parce qu'on est resté. C'est tellement passé vite qu'après ma soeur et moi, on s'est dit, oh, on voulait aller acheter des foulards au marché. Et au final, le marché était fermé. Et sur la route, on se dit, mais dommage, on n'a pas dit au revoir au petit garçon qui s'appelle Ilan. Et on revient sur notre chemin parce que j'étais garée où j'habitais avant. Et on le croise. Et il crie, hein. Maman, maman, voilà les dames dont je t'ai parlé, qui m'ont parlé. Et la maman, comme elle nous voit en foulard, elle se dit qu'on est musulmane. Et il dit, elle commence à parler d'Allah. Et le garçon me regarde, genre, ma mère, elle n'a rien compris de ce que je lui ai dit. Mais lui, quand sa mère disait, oui, Allah, oui, comment on parle d'Allah, machin, c'est Allah. Il me regardait dans les yeux pour dire qu'en fait, lui, il sait bien aussi que c'est Jésus. Mais il a compris que sa maman était complètement à côté de la plaque. Mais vraiment, j'étais vraiment contente parce que c'est ma première fois. Et il est venu, hein. Je vous laisse ma soeur parce que c'est elle qui a vraiment échangé avec lui. Mais vraiment, la joie, parce qu'il est venu envers elle pour lui dire, je suis musulman. Il n'est pas venu lui dire que ce que tu dis est faux. Mais en fait, il n'était pas là dans la confrontation. Il pose des questions, on répond. Et vraiment, comme le Seigneur a dit, hein, mes brebis reconnaissent ma voix. Et je sais que cet enfant, c'est un brebis du Seigneur Jésus. Et je sais que je repartirai sur le port de Vannes et qu'il reviendra la prochaine fois. Alléluia. Soyez bénis. Comme le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est son âme qui avait faim. Son âme avait soif. Amen. Alléluia. En fait, Jérémie, que vous avez vu là. Alléluia. Nous allons devenir que la prière. Alléluia. Gloire à ton silence. Père éternel, Seigneur Jésus. Encore une fois, Seigneur, nous te disons merci, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ce moment encore que tu as permis, Seigneur, d'être, Seigneur, avec mon frère, avec ma soeur, Seigneur. En tout sens, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour écouter ta parole, Seigneur Jésus. Père éternel, maintenant, Seigneur, que nous avons fini, Seigneur, que chacun de nous va prendre, Seigneur, les transports, Seigneur, les moyens de transport, les voitures, les bus. Seigneur, garde-nous, Père éternel. Protège-nous, chacun de nous, Père éternel. Bénis aussi la semaine qui va venir, Père éternel. Les enfants à l'école, Père éternel. Bénis, Seigneur, chacun d'eux, Père. Ce qu'ils vont faire à l'école, Seigneur, garde-les, Seigneur Jésus. Père éternel, reste encore avec nous dans cette journée, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, shalom à ta soeur, shalom à ton frère. Venez me voir. Ah bon, hein? C'est chaud. T'es en train de pardonner pour Angola. Homme de Dieu. Les enfants, tous les enfants. On stoppe ou quoi? Oui, oui. C'est pas fini, hein? Ça va couper.